T'as les ciseaux ou pas? J'ai un truc à régler. Des ciseaux? Bah non. J'ai... Pourquoi? Ah. J'ai chopé le bâtard. Mais comment ça? Mais attends, mais vous allez faire quoi avec Tahiti Bob? Quoi? Il fait du mal à Baby Girl, il insulte sa daronne. Oh putain de merde. Il a continué, on l'a tabassé. Il me faut des ciseaux là, il faut que je rase le crâne. Oh putain, mais qu'est-ce que vous avez foutu? On est dans la merde. Non, on est pas dans la merde. Viens, Brand, viens, on va chercher des ciseaux. T'attends là, Kirby, on arrive. Je sais pas pourquoi. Vas-y, non, attends avec lui. Il dort en même temps, genre c'est bizarre. Non, j'ai pas de ciseaux, mais je viens d'apprendre qu'au Maroc, il n'y a pas de téléphone et avec des chèvres. Vas-y, mais va prendre tes potes. Là, tu fais plus mal à Kefta, mais je te jure, fallait pas dire. Eh, vous savez qu'au Maroc, les chèvres montent sur des arbres? Non, c'est pas vrai. Tu parles des. Non? Au Maroc. Ah, si, c'est vrai. Il y a des chèvres escaladeuses. Elles font comme les trucs dans les montagnes. Tu vois dans les montagnes là comment elles montent? Bah, eh ben ils font la même chose. Ouais, ça, mais t'as déjà vu une. Moi je vais te le dire, parce que les chèvres on les voit dans les arbres. Mais est-ce qu'on a déjà vu une chèvre monter un arbre? C'est impressionnant. Déjà vu toi? Bah non. Moi je les vois, elles sont déjà sur l'arbre. On dirait quelqu'un les a posées là, bâtard. C'est vrai ça, je viens de capter. Voilà. Genre les guépards, les jaguars, on les voit monter. Ouais. Ça va. C'est vrai que j'ai jamais t'as vu une vu chèvre t'as vu monter un arbre. Parce que ça doit être très drôle hein, à voir. Hein. Est-ce qu'elle utilise ses dents? Bah non, voilà. Mais pas ses pattes, comment elle fait? Bah tu vois, c'est ça le truc. On sait qu'elle est bonne sur les arbres, mais comment? Comment? Qui tire les ficelles de la chèvre? Kefta! Mais c'est une dinguerie là. Là, je suis à deux doigts de faire. Tu vois, dans les vidéos YouTube, Zama Illuminati là. Ouais, c'est... T'as vu, c'est bizarre. Mais c'est vrai? C'est qui? Comment il monte dans l'arbre? Je suis grave curieux de savoir maintenant que. Voilà. Tu vois, mais attends. Est-ce qu'elle saute? Tu vois la question, est-ce qu'elle saute? Déjà, pourquoi elle monte dans l'arbre? Parce que c'est pour les... Il paraît qu'il y a des arbres là-bas, au Maroc. Ouais. Les feuilles ont une vertu particulière. Pour les bouquetins. Ces bâtards. Putain, t'es pas con, toi? Ouais, j'ai regardé... T'es bien renseigné, ouais, Maroc, bah, je regarde déjà. Je regarde des documentations. T'es marocain? Vas-y, c'est quoi le dernier documentaire que t'as vu? Bah c'est justement l'immigration des bouquetins dans le nord de Maroc quoi. Vers où dans le nord? Bah sur des arbres. Oh vers Berkane et tout là, vers là-bas en haut là. Non, Maroc vers là-bas. Maroc City? Voilà, tu connais. On est sur Cyberpunk quand même. Ouais, voilà, tu connais, voilà. Bon, si jamais tu vois un bouquetin monter un arbre, tu me dis, tu filmes, ok? Vas-y, je filme et je t'envoie la vidéo. Voilà, tu nous envoies ça. Vas-y, je vais te laisser. Vas-y, mon pote. Wow. Et donc, ah, t'es là, toi, man. Mais il est allongé, lui. Il est en train de dormir. Je vais raconter une petite histoire. Mais elle est où, l'histoire de princesse. Elle est où, Nova? Je sais pas, vous m'avez dit d'attendre. C'est pas carré. Allez récupérer ces putains de ciseaux, là. Ah, putain, elle est là. Bon, Nova. Je suis en attente là, on va m'en ramener. Qui va t'en ramener? Placard là, des rouges, lui il est sympa, mais je crois qu'il en a parlé aux autres, ils vont jamais rien me donner, je crois. Donc toi t'attends quelqu'un qui va te ramener des ciseaux à quelques mètres du lieu du futur crime? Bah ouais. Ok. C'est pas dans leur intérêt de me balancer de toute façon. Non mais c'est qui doit te le ramener là? Si tu veux je le booste, voir s'il le fait hein. Ouais, celui qui a le crâne rasé avec les boutons sur la gueule que tu clashes tout le... Ah bah attends, j'en clash beaucoup sa mère. T'as pas un autre le serial soccer? Non, l'autre. Le serial Dick Soccer. Ouais. Ah ouais, putain. Calo. Il est au fond là-bas. Vas-y, attends, je vais derrière voir. Derrière l'arbre. Je vais voir. Je vais faire en Égypte. Si on part en Égypte, je le fais. Eh, excusez-moi, ça va ou quoi? Ça va et toi, frérot? Ouais. Ça va et toi? Ouais. Bah ouais, il nous reste pas longtemps à vivre, donc ça va, c'est carré. Pourquoi il nous reste pas longtemps à vivre? Ouais, t'as la marque toi aussi. Ouais, il était avec nous. Ah ouais. Voilà. Ouais, t'as l'air traumatisé. D'habitude, t'es joyeux et tout. Là, t'as l'air de. Ouais, bah parce que j'ai vu aussi quelqu'un mourir, tu vois. C'est. Ah ouais. Non, qui ça? Attends, t'es passé. John. Non mais attends, qui, parce que j'ai oublié je crois. Mais Bachir. Ah, sa mère. Ah ok, carré, j'ai oublié déjà. Vas-y, on passe à autre chose. Faut que t'ailles voir la meuf avec les yeux roses. Ouais. Je rigole, je rigole. Écoute-moi bien, viens voir. Ouais. Et comment tu le sens toi? Tu seras le seul avec le crâne chaud comme ça là. Putain, ah, comment ça? Attends, ta casquette, t'as des petites oreilles, bâtard. Ouais, je suis le diable. Vas-y, c'est incroyable. Ouais, t'es le diable. C'est vrai, t'es la diablesse toi.
Ouais, le je m'appelle El Diablo. Vas-y, tu veux savoir comment ça, j'ai pas compris, c'est quoi ton truc? T'as des paires de ciseaux? J'ai quelqu'un torturé là, vite fait. Des paires de ciseaux? Ouais, quelqu'un a des ciseaux, j'ai quelqu'un à torturer, s'il vous plaît. Quoi? Non, j'ai pas de ciseaux, moi. Les gars, non, c'est important, vraiment, faut que je torture. Non, j'ai pas. Je vais torturer qui? Non, mais je vous les rends, les gars, je vous les rends. Non, mais j'ai pas, moi j'ai une bouteille d'eau, si tu veux le torturer avec. Mais qu'est-ce que tu veux, je fais quoi? Je mets sa teub dedans et elle gonfle. Sur doute, attends de voir ça. Ah, vas-y, t'es bizarre. Eh, les gars, quelqu'un a des ciseaux, s'il vous plaît. Yo, Amine, ça va ou quoi? Des ciseaux? Pourquoi des ciseaux? Parce que je dois torturer quelqu'un là. Qui ça? Un surveillant, ce bâtard. Et lequel, tu vois? Mais l'autre que tout le monde déteste là, Tighty Bob, ce chien. Oh, merci, putain, je reviens, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, Nova, c'est bon, j'ai. Non, mais t'inquiète, j'en ai. C'est trop tard, on s'est fait griller avec le temps que ça a mis. Oui, vous vous êtes fait griller. Mais vous irez devant la police, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, monsieur. On n'en parlait pas de ça du tout, on parlait de griller des champignons, ouais. C'est bon, vous êtes libre, monsieur Bella. Merci mais beaucoup. Pour cette fois, hein. Oh, monsieur, il y a un élève qui veut vous parler là-bas, la surveillante rousse. Ah ouais? Ah ouais, elle va me parler, c'est Bobby, j'arrive. Ok, partez, on l'emmène. Mais menez-le, ce bâtard, vite. Yo. Ouais, il est par terre, lui. Eh, attendez, madame. Ouais. Faut que je vous montre un truc de fou furieux. Non, réel, venez, s'il vous plaît. Avec lui, sautez par contre. Ils l'ont attaché, ils doivent jouer. Tu sais, les cow-boys, les voleurs, je sais pas quoi, là, ça me fait. Venez. Marrage, ouais. Madame, appelez les deux autres surveillants, s'il vous plaît. Ah bah, du coup, y'a que Edouard et moi, quoi. Ouais, mais le prof, là, ce bâtard. Ah, vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Voilà, voilà, t'as compris. Carré. Ah, le gros bébé. Vas-y, vous allez. Nova, laissez-moi récupérer Edouard, je vais le mettre à l'infirmerie. Non, attends. Mais il dort, laissez-le dormir. Mais laissez-le dormir, c'est un truc de fou. C'est pas possible. Bah oui. Ah, donc je vous laisse. Okay, madame, il me laisse, écoutez-moi bien, il me laisse 2 heures à vivre. Ok, je vous laisse. Plus précisément, 2h42 minutes et 18 secondes. Mais. Enfin, 12 maintenant. Pas bien mentir, mais it's ok. Non, je vais mourir. Oui, et moi aussi. Ben oui, on va tous mourir un jour. Et on va tous mourir. En effet. Voilà. Kirby, toi, tu mourras avec le smile. Toujours, man. Toujours. Ouh, dépêchez-vous. On va jouer. Ah oui, un tennis. Allez, menottez-moi ce bâtard. Les menottes, je te jure, t'es trop longue à chaque fois. Menottez ce bâtard, vite. Mais déjà menotté. Ah, ok. Il peut pas être menotté. Donne-moi les 6. C'est mon œuvre et je veux que ce soit moi. Vas-y. Ah oui, moi, je fais rien. Et moi, je suis pas dans vos problèmes. Mais par contre, il faut qu'on le lève, hein. Tu me les as donnés? Oui, c'est par terre, je t'en supplie, regarde. Oh, la taille, tu marches dessus. Mais pourquoi, dès qu'on te demande un truc, tu le poses par terre? Parce que c'est plus rapide. T'as la phobie des microbes. Eh, il y a le Covid qui traîne. Tu veux quoi? Ok, reculez-vous. Vas-y, faut qu'on lève, je crois. Vas-y. Il est pas... Aidez-moi à le relever. Bon, allez, bâtard, on va te lever. Vas-y, on lève. Vous êtes prêts? Voilà. Tenez-le. Allez, on tient. Remenote-le bien, vérifie-le. Voilà, menote-moi ça. Menotte-moi ça, vas-y, je le garde, voilà. Oh. Vas-y, écarte-toi, voilà. Et fais-lui une peu coup de bâtard, hein. Fais-lui une teub. Ça c'est pour avoir manqué de respect à ma mère. J'en ai marre que tout le monde me manque de respect, espèce de petit enfoiré. Voilà, je vais faire un oreiller avec tes cheveux, tu vas voir. Ouais, gros bâtard. T'es pas chaud de couper. Oh non. Ok. Vas-y. Oh. J'en ai rien à foutre. Ok, hey, les gars, une coupe, tu vas voir. On ouais, y'a quoi? Faudrait peut-être arrêter de gueuler, non? Qui gueule? Peut-être. Qui? Ah, je sais pas, mais j'entends gueuler d'ici donc. C'est une voix féminine ou masculine? La féminine. Oh putain, ces femmes. Eh, ça serait bien que vous arrêtiez de crier, on vous entend à 10 km. Ce bâtard, il a la tête de John, ce chien, putain. Quoi? Écartez-vous. On en fait quoi maintenant? Bah, je sais pas, vas-y, on se barre, hein. Eh, il ressemble à Franck Gastambide, ce chien. Vas-y, on se casse. Allez, vite, on se casse. Moi, je suis un professeur jeune de 28 ans. En estimation des rides, je dirais 35 ans. Attends. On vient, Kirby, on met un truc en place. Au moins 40 000. Qu'est-ce que vous racontez? Maintenant, tu me fais confiance aveuglément. Il n'est pas très gentil, Cassius, aujourd'hui. Non, en effet. Il a peut-être mal dormi. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Allez pas là-bas, les gars. Hein? Allez pas là-bas. Il y a le surveillant torturé. Hein? What the? Qu'est-ce que c'est que ça? Et quoi, pardon? Excuse-moi. Mais qu'est-ce que... Refaites-le! Eh! Mais oui, ça suffit! Enlève ton téléphone! Vas-y, ok. J'étais pas prêt, baby girl. Tu m'as rien, laisse, je sais pas, j'ai stressé! Eh, hey, dis-toi une chose, je serai toujours là pour toi! Attends, tu veux pas stresser en face de moi là, vite fait? Ça va, t'es pas trop stressé? T'as l'air stressé en ce moment! Je stresse de ouf! Comment ça? Voilà!
Attends, stress sur Kirby, toi aussi, stress sur Kirby. Hey attends, oh que tu fous. Qu'est-ce que tu fous hey, je vais te niquer. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Attends, arrête de te demander mon baby girl. Viens, je stresse sur Kirby et toi tu stresses sur moi et comme ça on se prend tous dans les bras. Ouais, mais comment tu fais pour stresser de cette manière? Bah, je sais pas, c'est... Tu vois, je carry cute 3. Ok, carré. Carré même. Moi je panique et toi tu paniques sur Fleur des îles. Attends, j'ai... Mais pourtant... Attends, bouge pas Fleur des îles. Lâche-moi. Hey man, y'a un problème. Hey man. Je jure. Attends. Hey, lâche-moi. Vas-y, hey, nous on va prendre la relève là. Oh ma petite fleur des îles. Hey, vas-y, emmène-moi s'il te plaît à l'entrée. Non, je rigole. Attends. Non, là, lâchez-moi. Attends, confie. Non. Vas-y, non, ça me tue la honte. Avec qui là? Hey, les minus là. Ouais, y'a quoi Cortex? Ouais. Les minus. Ouais, les minus. Vous lui avez rasé le crâne ou je rêve? Non. Bah non, absolument. Pourquoi on fait ça? Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais pas, parce que bizarrement, il vient de se réveiller, il était en tennis et il a plus un cheveu sur le caillou. Bah demande-lui ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah il sait pas, apparemment, là, les idées pas claires, mais c'est bizarre, c'est quand même à vous que j'ai laissé Edouard. Ah non, nous on joue au tennis. Hein. Ah non, non, nous on jouait, nous, tranquillement. Ok. Et puis après, on l'a laissé, on est parti. Je crois qu'il y avait sa petite copine qui était dans les parages. Et elle était vraiment vénère, du coup, on les a laissés tranquilles. Ah, c'était donc ça la femme qui gueulait, ok. Ouais, c'était exactement ça. Du coup, on les a laissés, hein. On voulait pas trop interférer là-dedans. Et okay, là, vous me dites qu'il a plus de tif. Ah ouais, non, il a plus un cheveu sur le caillou, quoi. Ah non. Ouais, mais faut que je vois ça. Bah tant mieux, il commence à faire chaud, ça va lui aérer le crâne un petit peu, aérodynamisme, tout ça. Ouais, ok, très bien. Bon, je vous laisse la jeunesse. Ah, ça doit bien lui aller, hein, sa tête. Bon, pas spécialement, il ressemble à un plot, quoi. Ça change pas d'habitude, hein. Pas facile. Bon, on essaye d'avancer de notre côté ou pas? Je crois qu'il dormait en plus, souviens-moi pas qui c'est qui lui a fait ça. Les rouges, ils sont en train de charbonner, là. Faut qu'on avance. Ouais, t'inquiète pas, moi je propose une chose. Vas-y. C'est que quoi qu'on fasse, les rouges auront tout. Donc viens, on attend que les rouges font et on voit avec eux après. Donc on les surveille de loin? Ouais, c'est vrai qu'elle a pas tort, en vrai. Carré. Au moins, elle se casse pas trop la tête, hein. Et Clitus et Brandon, ils font quoi depuis tout à l'heure, là? Venez, on s'incruste là-bas. Ils se la touchent, man. Non, parce que Clitus, il nous parlait beaucoup. Vas-y, on va prendre... Vas-y, viens, va avec eux. Moi, je l'ai assez harcelé, ce bâtard. Ils sont derrière. Bien. Vas-y. C'est Clitus. Ben si, c'est Clitus, ça, non? Mais il a les cheveux verts. Mais de loin, il ressemble à Prépus. Mais pourquoi il a les cheveux verts? Ah non, finalement, il a pas les cheveux verts. Trop bizarre. Et à tout moment, il est atteint. À plan 3. Ok. Dans la logique, les monstres, ils ont peur de la lumière. Ouais. Tous les rouges, ils ont des lampes torches. Bon, je pense qu'ils ont des chouraves. Attends, Clitus, tu fais quoi avec Brandon depuis tout à l'heure? Dis la vérité. De comment ça, je fais quoi? Bah, tu lui dis quoi? Vous vous dites quoi? Bah, on parlait de l'autre fois, quoi, c'est tout. Et alors, ça avance? Bah, on était en mode pourquoi est-ce qu'ils nous auraient attirés là-bas, machin chouette, mais rien de spécial. Et on après, s'est dit c'est nous qui avons lancé l'expérience, hein, on est teubés aussi, hein. On savait que ça allait mal partir. Oui! Hein. Oui, c'est clairement, sûr. Clairement. Hein. Mais du coup, vas-y, continue avec ta lumière. Il faudrait trouver tous les gens dans l'école qui ont accès à des lampes torches, qu'on essaie de tout avoir auprès des profs aujourd'hui. Et c'est trop stylé l'idée de la marche. J'en ai une. Oui, mais toi, c'est bien, mais tout le monde en a pas, donc il y en a qui en ont et qui sont pas. Tu sais, ils ont pas la marque de. Tu vois. Ouais, moi, je reste avec Clitus, hein, j'ai pas envie de canner sa mère. Pareil, hein. Moi, j'en ai pas de lampe. Bah, faut qu'on en trouve, ouais. Mais le problème, c'est que, admettons, on va en Égypte, on va bien visiter des pyramides. Les pyramides, c'est sombre, ils vont nous donner des lampes torches, non? Ouais, ah, par contre. Bah, ça. Pas forcément. Mais tu penses que l'Égypte, on est au Moyen-Âge, il y a de la lumière maintenant dans les pyramides. Bien sûr. Eh, vas-y, comme à l'époque, hein, maintenant, il y a des installations électriques et tout. J'ai l'impression que ce tombeau sera notre tombeau. Ce tombeau, c'est tombeau. On va vous m'énervez. Vous allez tous mourir comme des chacals, mais ça faisait deux fois chacal. Non, mais j'ai vraiment l'impression que en Égypte, on est mort. Moi, écoutez, je vous dis la vérité. Je pense que tous ceux qui ont la marque, on va canner. Voilà, je vous le dis. Ouais, je pense aussi, sa mort. Non. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Attendez, j'ai une idée. Attends, je finis juste et après tu fais ton idée. Moi, vous savez pourquoi j'ai prévenu les autres? Parce que comme ça, tous ceux qui ont la marque, si on canne et qu'on se fait emprisonner en dessous, au moins, ils savent où nous trouver. Tu vois ce que je veux dire, Jordan?
Ouais, ça, carré, vous carré. Ah, mais moi, je t'en veux pas. Moi, je t'en veux pas, en vrai. Moi, pour moi, parce fallait que, le dire aussi. En fait, mais moi non plus. Tu sais pourquoi je vais assurer mes arrières? Parce que, ah, mais t'as raison. Etc. Eux, ils penseront pas à notre gueule. Regarde, ils sont partis sans nous. Ouais, ils penseront pas à notre gueule. Ça veut dire qu'ils sont sur nous. Écoutez-moi. En Égypte, il va y avoir un hôtel 5 étoiles, mais d'autres feront du camp. Il faut qu'on arrive à gratter des lampes torches. De toute façon, les bleus, vous êtes à moins 318 points, donc vous serez au camping. T'inquiète pas, tu pourras gratter des lampes torches. Vous avez pas vu le tableau des scores? Non, mais c'est comment pas ça, encore. Moins 318. Viens voir, viens voir, viens voir. Tu vois le tableau des scores? Putain, ça casse les couilles. Et les rouges, les fils de pute qu'on fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut aller changer, faut aller changer. Mais non, on a cartonné. Les rouges de merde. On a cartonné, c'est nous, on vous est jaloux. Ouais, t'as cartonné les points, ouais. Les rouges cartonnés, bah, on a eu des bonus. Attendez. Bougez pas, les gars. Supplémentaires. Attendez, je me concentre. Ouais. Oh, y'a un chat. Nani, nanana. Ma bonne humeur du jour. Eh, bah écoutez. Je suis d'humeur florale, en tout cas. Vous êtes d'humeur florale? Vous êtes une fleur, madame. Merci, vous êtes gentil. Comme votre chemisier. J'apprécie beaucoup votre mélange de couleurs, surtout le rose, ça vous va ravir, Hamid. Non mais... Hamid? Y'a pas d'Hamid? Ah non mais comment vous appelez déjà, je me rappelle plus. Vous êtes... non mais là, j'avais raison, la dernière fois, vous êtes vraiment raciste en fait. Oh bah... Mais non, pas du tout. Un peu fatigué. Bah si, vous êtes raciste, vous aimez toutes les couleurs, mais que sur les fleurs. Mais rappelez-moi votre prénom. John, madame. Hamid. Ah oui, John, c'est vrai, pardon, excusez-moi. T'es gueule, parle-moi. Je vous confonds souvent. Ah, c'est très bien. Vous êtes aussi gentil, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Mais avec cette gentillesse. Je trouve que, en fait, il y a beaucoup trop de fleurs en fait sur vous, puisque vous êtes vous-même une fleur, madame. Il y a jamais fleur, trop de fleurs. Oh, c'est très gentil. Du coup, en fait, c'est peut-être un peu too much. Non, c'est jamais trop. Vous le savez, ce n'est jamais trop. Je sais où tu vas aller, sale chien. T'es trop un détraqué. Je sais où tu vas en venir. Je sais quel chemin tu prends pour lui dire de faire quoi. T'es un cinglé. Oui. T'es fou. Mais t'es fou. Je comprends pas. Madame, c'est un psychopathe. Ne l'écoutez pas. Ne savez pas qu'il a une casquette en forme de démon. Pour la créativité de tout le monde. Ah ouais. Oui. Wesh. Madame, est-ce que vous connaissez, oui. Est-ce que vous savez comment oui. on fait les bébés? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tout à fait, j'ai suivi des cours de sciences naturelles. Bien. Ok, dis-moi comment on fait les bébés. Attends, je peux te parler d'abord. Écoutez, je vous invite à consulter le professeur d'SVT. Il vous expliquera très bien. J'irai lui demander, madame, pas de soucis. Avec plaisir. Merci à vous, passez une bonne journée. Madame, excusez-moi, vous auriez une lampe torche sur vous? Une lampe torche? Non, malheureusement, je n'ai pas de lampe torche. Je dessine toujours dans le jour, pas dans le noir. Ah, c'est dommage, faut dessiner dans le noir. Eh, fils de pute, tu peux aussi demander un pied de biche, non? Ça ah, madame, vous auriez pas un pied de biche? Non, pas du tout, c'est dangereux ce genre d'objet. Carré, ouais, je comprends. Ok. Bah, vas-y, j'ai essayé, t'as vu? Eh bien, vous avez raison, il faut toujours poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Vas-y, carré, allez. Bah, bon courage en tout cas, madame. Mais on part après, bande de débiles. Oui, mais là, on a la flemme, bah, elle est trop la gourmet, elle. Mais moi, je vous enculer, mais fort. On va te mettre dans un coin, Léo, on va te mettre dans un coin, là. Aïe. Vas-y, Léo, fume-le. Allez, Léo. Oh, 9 tops, ici, qu'est-ce qu'il y a? Égalité, égalité homme-femme. Ah ouais, égalité homme-femme, viens ici. Oh, désolé, Bobby. Aïe. Connard. Oh, que tu vas. Ah ouais, viens. On est censé, mais... Si, mais après. Il y a un peu de retard, donc j'organise un cours improvisé de doublage après. En français. Ceux qui veulent venir en cours de langue, Léona, j'ai préparé ton extrait d'ailleurs, tu vas pouvoir le faire. Oh, mais... Ah, quel est-ce putain. Ça va. Bah, vous courez où comme ça? T'as vu, il a essayé de te mettre contre moi. Mais oui, mais frérot, je sais très bien. Mais j'avais confiance. Ça va, Bobby? Je le croirais pas. Ça va et toi, Jordan? T'as passé une bonne nuit hier, Jordan? Bah, et toi, Bobby? Pourquoi tu poses toujours ces questions finissant par mon prénom, Bobby? C'est vrai, j'aime bien, c'est vrai, je dis souvent ton prénom. Je sais pas, t'as l'air de bien aimer mon prénom. Ouais, Jordan. Ouais, ça sonne bien. Ouais, Bobby, ça sonne quoi? Ça sonne. Allez, Suzy. Elle respecte mon prénom. Mais je respecte, tu veux vraiment te battre, Bobby? J'embrasse une femme. Non, pas encore, vas-y, pas encore. Et Bobby, et il me reste pas longtemps à vivre, de toute façon, je vais pas te mytho. Là, on va être envoyé, à mon avis, au charbon dans les. Arrête de dire ça, vas-y, j'en ai marre, frère. À croire que tout le monde va mourir dans T'avais qu'à pas aller au lit aussi, toi. Quoi? T'avais qu'à pas être fatigué? Pourquoi t'es fatigué dans la vie? Bah, frérot, moi, au moins, si vous crevez tous, moi, je suis encore en vie. Bah, ah ouais, super. Et tu vas faire quoi en vie tout seul? Bah. Voilà. Je me suis recalé. Eh, Nova, elle a rien sur la main, Nova. Non, Nova, elle était pas là parce que. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle était avec Jordan, mais Jordan, il est venu, mais Nova, elle est pas venue. Et bah voilà. Comment vous êtes fait séparer, Jordan? Je t'ai pas demandé en vrai. Comment quoi? Comment vous êtes séparé avec Nova? Pourquoi vous avez réussi à rentrer, pas elle? Elle a fini Bobby. Ah. Elle est partie au lit. Et parce qu'on est intelligent.
Mais de toute façon, Bobby, moi, tu sais. À la fin, il n'y aura plus que moi et Nova. Je vous aurais bien baisé. Mais Nova, elle déteste, hein. Mais tu sais, j'aurais été heureux. Bah, en fait, on est ensemble, donc c'est con. C'est pas ouf. Abid, je savais qu'il a essayé de te retourner contre moi. Parce que quand je suis descendu, il m'a dit: ah, t'as trahi Bobby, c'est lui qui devait venir et tout. Et j'ai dit: mais les gars, je pensais qu'il était avec. Enfin, genre, depuis le début, ils ont essayé de nous monter l'un contre l'autre. Mais oui, mais en fait, ils essayent trop de me manipuler, les rouges, là. Mais ça marche pas, ça marchera pas. Mais ouais, ils ont pas compris que ça marchera. Moi, je te dis quelque chose. Hey, c'est des gens, ils aiment trop que leur ego soit nourri. Donc, péjore que ça marche. Ah ouais? Bah ouais. Mais genre. Ouais, tu quoi, je le déteste, t'as raison, machin, etc. Ils vont être trop heureux et c'est comme ça qu'on va rentrer dans leur tête. Carré. Mais putain, mais Clétus, comment? T'es un putain d'intello, frère. Ouais, c'est basique, ça. Mais toi, t'es en fait un manipulateur dans le fond, Clétus. Pas du tout, alors là. Putain, vous avez pas vu Francis, les gars? Je l'ai vu passer, mais pouf. Non, je crois qu'il est reparti se coucher, je crois. Ah bon? Bah non, il va pas se coucher là-dedans. Carré. Je sais pas, je crois, il est fatigué, hein, Francis. Hey, non, mais Jordan, tu sais rien, maintenant qu'on est un peu habillé, je peux te sortir? Ouais, je sais rien, je dis au pif. je veux juste t'envoyer ailleurs. Je peux sortir ou pas? Tu en fait, toi, gros connard. Je rigole, Emily, je rigole. Hey, les gars, je peux vous poser une question vite fait là? Ouais, vas-y. Vous avez une solution pour qu'on évite de canner ou pas? De quoi? De canner? Bah, ça sent pas bon les pyramides, je vous le dis. Hein. Pourquoi? Bah, on va dans un autre pays. Ouais, t'es bizarre, toi, sale raciste. Mais comment ça? Ça sent pas bon l'Egypte. Mais ouais, t'es chelou. Toi, mais non, c'est pas, t'es un mec de Dubaï. Mais frère, la seule différence entre Dubaï et l'Egypte, gros, c'est le caca. Quoi? Mais ça a aucun rapport, les deux pays, frère. Je sais pas, mais t'es pote à qui, toi, bata? Hein? Les gars, vous avez déjà été à Dubaï ou pas? Bah non. Si, moi, je suis allé me faire chier dessus. Bah voilà. En Egypte, on chie pas dessus, bata. Non. Mais après, c'est quoi le rapport, en fait, là? Ouais, j'ai pas compris le rapport plus. Les gars, vas-y, faites un effort, s'il vous plaît, je vais pas devoir faire un dessin. Mais c'est... Mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? Je sais pas, je crois que je suis pas venu au bon moment. Vas-y, je me tire, les gars, c'est trop pour moi, là. Mais pourquoi? Non, mais tu peux rester, ça, tu me déranges pas. Attends, t'es scatophile? De qui? Quoi? Mais pourquoi tu... C'est ton pote qui dit ça depuis tout à l'heure? Bah ouais, mais ça a l'air... C'est toi qui a l'air un peu touché, là, bizarrement. T'as un problème avec ça? Mais j'ai aucun problème avec la merde. Les gars, je suis en train de vous parler, c'est que tout va bien. Bah alors, c'est quoi le problème? Bah pourquoi t'es gêné là? Bah ouais, c'est merde, calme, y'a rien, pourquoi? Bah parce que y'a rien, je j'ai juste pas le débat, je suis pas allé à Dubaï. Mais non mais... Mais vas-y, parle-lui-en, souche-nous. Il a l'air gêné, ouais. Est-ce que t'as chié ce matin? Ouais. Ce matin, genre au réveil? Ouais. Non, je fais jamais caca au réveil. C'est le soir du coup, quoi? Bah je sais pas, j'ai pas envie de faire caca au réveil, t'as vu? Mais pourquoi ça te gêne de faire le matin? Non, parce qu'en fait il se fait tester la crotte la nuit, donc du coup le temps qu'elle redescende c'est vers le soir, t'as vu. Ah, il a un petit intestin, t'as un petit corps de fragile, quoi. Bah non, je sais pas, mais pourquoi on parle de caca, les gars? Mais frère, ça te gêne tant que ça, mais détends-toi, mais... gros. Y'a rien. Mais c'est grave. Ben ouais, il est pas bien le poteau là. Détends-toi. Ok, mais c'est du caca, qu'est-ce qui t'arrive? Bah en parlant de caca, y'a Brandon, vous voulez que je lui dise de venir? Mais attends. Non mais bah on parle de caca là, j'assume, tu vois, on en discute tranquille. Pourquoi t'es gêné d'un coup? Mais c'est toi t'es gêné. Non, là t'es gêné, là t'es gêné. Mais attends, t'as signé quoi par Brandon? Ça c'est une merde. Bah bien sûr. Mais pourquoi? 15 points pour les bleus. Quoi? Wesh. Attends, pourquoi? Tu remercieras Brandon. T'as fait quoi? J'ai dit la vérité à Ganesh. Et t'as dit quoi? Il pue sa grand-mère, voilà, je lui ai dit. Non mais y'a trop de racisme dans cette école. Non mais pas l'odeur, mais que c'était un CPE de merde et que c'était une école de merde, je lui ai dit. Ça c'est vrai que t'as pas tort. Est-ce que tu veux qu'on brûle sa mère? Je sais même pas si je peux trouver un job à Walmart avec un diplôme venant d'ici. Oh, avant de mourir, venez, on torture un prof. Les profs sont arrêtés. Avant de quoi? Avant de mourir. Eh, attendez, c'est vrai que là y'a que des élèves qu'on a marqué à la main. Attendez, eh, je crois qu'il y a un truc que vous avez pas compris là, vous, d'accord? Oh, dis-moi que tu cries pas. Oh, regardez là-haut. Y'a quoi là-haut? Mais y'a le prof d'histoire. Hein? Où ça? Mais sur le balcon, ce bâtard. Ah, il a le droit d'aller. Ouais, bon, écoutez. Venons, Valtège. Non, attendez. Attendez. Ah putain, j'ai oublié de vous dire un truc ultra important. Est-ce que... Eh gros, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu bandes quand tu chies? Mais jamais de la vie, mais t'es baisé, toi. Bah quoi, je demande, frère. C'est bizarre un peu comme mec. Je sais pas. Et toi, attends, toi, tu te branles quand tu chies? De l'autre côté, non? Me dis pas qu'il y a une salle secrète. Hein? Ça peut pas être de l'autre côté, c'est. Ah non. What? Non, mais attendez. Non, mais bref, on revient sur le sujet. Il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Je crois que vous avez pas bien compris le truc, en fait.
Quand vous êtes parti, quand vous êtes parti et qu'on a échappé au bordel là, je sais pas comment on peut les appeler là. Des loups-garous, ouais, je sais pas quoi. Bref. On dit qu'il y a une malédiction. Voilà, ça vous avez oublié. Les monstres, ils ont pas dit il y a qu'une malédiction. On est mort. Là, je pense que le voyage en Égypte, ça, c'est pour se débarrasser d'éléments qui sont allés en bas. Mais non, c'était déjà prévu le voyage en Égypte avant. Tu verras. Bah oui, il l'avait déjà avant. Con, tu verras. C'est vraiment une merde, toi. Mais attends, tu dis confort. On est sûrement maudit. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Steven Seagal? Écoute. Vas-y. Pardon. Oh. Excuse-moi. Non, c'est pas ça que je voulais te faire. Là, c'est un truc de fou. T'as les dents du fond qui baignent, bâtard. Oh. Non, mais c'est les moutons. C'est les Slavia, c'est Naïd et tout. Ah, ça. Pardon. Écoute. Oh putain. Eh les gars, je pense que il faut savoir où est le proviseur, faut le suivre, faut comprendre tout ça, c'est lui qui a l'initiative de tout. Mais après j'aimerais bien que les cours démarrent, de toute façon dès que les cours vont démarrer il sera là. Mais après tu veux lui faire quoi au proviseur? Ça vous choque pas qu'il y a un balcon caché là? Bah oui si, ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être encore un endroit secret ici. Mais attendez, Bachir, ça choque plus personne là, déjà plus personne en parle. Arrête de crier, Mais non, mais il n'y a pas d'arrêt de crier. Toutes les 5 minutes, oh, Bachir, il est mort, Bachir, on le sait. Bachir, non, Bachir. Mais là, c'est nous qui allons mourir, il s'est sacrifié pour nous. Ah d'accord, d'accord, vous vous inquiétez pour votre vie alors que je vous le dis depuis tout à l'heure. Jordan. Wesh. Mais t'as chié par la bouche. J'ai pas entendu. Ouais, y'a quoi? Il a une diarrhée buccale. Y'a ouais, quoi, Brandon? Mais ça passe quoi, wesh? Mais c'est pour ça que tu nous as dit que Brandon est plus la merde. Mais attends, mais. Ah ouais, oh, ça coule sur ta chemise. Ça coule sur ta chemise, c'est quoi ça? Après, oublie pas, t'as baisé avec Aziz hier. Mais de quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais arrêtez. Oh là 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 là. Ils avaient besoin de décompresser. Et t'as pas dit que t'avais pris le petit cul de Kevin aussi? C'est ça ton problème, Brandon? Tu dis, mais arrête, tu sais très bien qui c'est. Arrête. Eh, je suis jaloux, sa mère. Non, attends. Bah, si tu veux. Enfin, bref. Ouais, vas-y, bégaye plus fort, s'il te plaît. T'as vu, Souchetou, les bleus, ils font les mecs charismatiques, intelligents et tout. Rien que ça qu'un d'entre eux. C'est de la folie leur classe. Pas des MST. Arrête, ils rigolent. Ouais, c'est vrai que tu dis. Salut. Ça va? Salut. Ah, elle. Habillée aujourd'hui? Ah, lui. On s'en jaille. Ah, moi. Jordan, je peux te parler de fait? Ouais, carré. Ah ouais, le toutou. Voilà, enfin les fils de pute entre les gens. Tu fais quoi? Bah, j'essaye de comprendre s'ils savent des choses, tout simplement, pourquoi. Ah mais non, parce que du coup avec Kirby, tout à l'heure on t'attend, mais on te voit courir partout, et quand on s'approche, tu pars, donc on se demandait s'il y avait un truc ou pas, tu vois. Ah non, j'étais juste devant l'école, et là je les suis, j'essaye d'avoir des infos, avant de canner, ouais. T'as vu? Bah tu vois, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que t'as été accepté dans leur cercle, du coup tu peux avoir des trucs contrairement à nous deux. Bah non, juste viens, pose-toi et sans un... En fait, là c'est plus dans notre intérêt d'être ennemis, tu vois ce que je veux dire? Là, tu... Ouais, t'as vu leur réaction quand je suis arrivé, quoi. Mais oui, bah tu serres les dents, tu fais comme moi. Même moi, ils font que de ça, ils essayent de me tailler, mais ils sont claqués au sol, tu vois, on s'en bat les couilles. L'important maintenant, c'est les infos pour éviter d'y passer, tu vois. Jamais de la vie. Eh, après moi jamais. Non, je veux pas de relations sexuelles avec toi. Laisse-moi tranquille. Non, mais gros, mais c'est juste que comme t'es nouveau. Je vais appeler la police, vraiment. Hein. Moi, je pense que tu devrais, genre, c'est un baptême du feu pour être son pote, tu vois. C'est un moyen de prouver ta confiance. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Bah non, mais tu vois, John et moi, c'est mon conscience. C'est vrai. Apprends-nous, s'il te plaît. Bah non, ça ira. Tu veux pas soulever Jason, ton pote là? J'ai déjà fait aujourd'hui. C'est qui Jason? Je sais pas, toi, tu t'appelles comment? Jordan, il s'appelle. Ah, Jordan, putain, pardon. Ouais, mais toi, t'es un chien, tu t'en bats les couilles des gens. Ah, oh, c'est... Mais non, mais gros, toi, ça fils de pute, tu m'appelles Chouchtou, Choukou, Choukou, Jusus. Frère, et tu me dis que c'est moi le chien, t'es sérieux? Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es malade ou quoi? Je t'appelle par ton prénom. Ok, c'est quoi mon nom? C'est quoi son prénom, Brandon? C'est John. Voilà. Et Souchetou. C'est quoi mon nom? Et c'est quoi mon nom? Souchetou, voilà. Tu es un fils de pute, Bah oui. Wesh, ça va nous mêler ou quoi là? Y'a un problème? On dirait que vous allez nous tabasser. Eh, vous avez vu, le prof de théâtre, il était sur le balcon, mais y'a pas de passage vers le balcon. Ah bon? Il doit avoir un passage, c'est sa bibliothèque quand même. Eh, c'est sûr, y'a un passage secret ici. Et nous, y'a un chat qui nous a emmenés dans le bureau des surveillants. Et il y avait un bac avec plein de fiches, mais je crois que t'as vu, John, non, t'es passé après. Ouais, comment ça, un chat, on n'est pas dans 8 Miles? Ah bah c'est le même chat qui nous a montré le tunnel ouvert. Ouais, exactement le même. Et sauf que du coup, on est en train de fouiller et on se demande s'il n'y a pas un truc à trouver là-bas aussi. Mais comment ça, c'est un chat qui vous ramène partout? Ouais, mais c'est le chat qui a emmené les... Ouais, mais il les a emmenés au tunnel aussi, donc on a l'impression que... Mais pourquoi vous n'avez pas tout fouillé là-bas directement? Ça a peut-être... Bah on a fouillé, on a déjà fouillé, il n'y avait rien, tu vois. Mais je me dis peut-être qu'il y a un truc pas visible, j'en sais rien, tu vois.
Eh, le boîtier de piratage, quelqu'un a une idée ou pas? J'en peux plus de le garder. Bah justement, là. je voulais voir si tu l'avais ou pas. Ouais, je l'ai, ouais. Je sais plus si je l'ai donné à toi, ouais, bah c'est ça. C'est ouais, ça. C'est bah, donne-le-moi, on va aller voir, je pense. Tu veux qu'on aille voir maintenant? Prends-le et on va voir. Vas-y, carré. Et vous avez besoin d'une couverture, dites-nous, on viendra vous aider. Bah... Mais attendez, y'a pas censé avoir cours, là? Ah ouais, bah y'a rien pour l'instant. Mais non, mais ils sont en train de préparer le voyage, tranquille. Ok, moi je vais trouver, je vais chercher le prof de théâtre, c'est pour moi, c'est faut le trouver en urgence. Faut l'attraper. Ah oui. Faut l'attraper. Bon, bah, il est sorti tout à l'heure de la bibliothèque en courant. On va. Oui. Tu viens de Serial Soccer. Et lui, je te baise, mec. C'est bon ou pas? Bah, tu me baises pas parce que c'est moi qui suis derrière toi là pour l'instant. Non, mais c'est un compliment venant de John. Ouais, c'est vrai. Bah, en même temps, je crois que je suis le premier qui l'a sucé. Hein. Non, t'as sucé qui en premier, John? Non. Ah, t'avais déjà sucé à. Attends, tu rigoles quoi? Le premier, c'est Kefta. Putain, ensuite, mais. Attends, mais. Toi, t'as une expérience à toute épreuve, toi. J'ai un carnet qui liste absolument. Mais, toi, t'as un pédigré, sale bâtard! Hein. Mais attends, c'est pour ça que t'as du beau malèvre à la cerise, c'est pour y battre tes lèvres. Un P quoi? T'as un pédigré! Ah, fais gaffe, les. Ouais, fais gaffe. Un pédigré, mais tu sais c'est quoi ou quoi? Oh! Ouais. Mais fais gaffe à quoi? Vas-y, parle! T'as l'air mal à l'aise! Bonne journée. John! John, sois pas mal à l'aise comme ça! Mais mec, tu m'insultes de pédigré! Un pédigré! Mais il est bête ou quoi? Mais c'est un pédigré? Bah oui! C'est quoi un pédigré, vas-y? Bah c'est un historique de clébard! Bah oui! Genre en gros, mais... ça veut dire que t'as sucé plein de monde, quoi. Bah ouais! Genre, t'as un historique de fou! Suçage, tu vois. Mais oui, mais genre je suis un chien, moi, genre dans cette école! Non, t'es pas un chien! J'aurais plus dit une chienne, tu vois! Non mais ça va, John, oh fais non, pas. Arrête, ah vas-y! Il est vexé, regarde! C'est bon, fais pas ton susceptible! Attends, je peux te faire un attrape-téton! Fais pas ton susceptible, c'est bon, vas-y! Hey John, tu veux que j'attrape tes tétons? Eh, va te faire enculer, mec, c'est bon ou pas? John, arrête, c'est bon, vas-y, tu fais ton... Fais pas ta star, c'est bon. Un Kardashian, lui, hein, ce bâtard. John, c'est un cul-de-sac ici. John, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je veux que tu passes sous la table et que tu me suces. Quoi? Mais c'est toi qui suces, John. Ok, très bien, j'ai compris. Ça va que dans un sens, en fait, c'est ça? Ah, d'accord. Attends. Okay, ah, je vois le genre. Madame veut jouer à ça, maintenant. Genre. Madame veut jouer à ça, hein, quand ça l'arrange, hein. Bah alors, sucer, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va ou quoi, man? Hey, man! Comment ça va, John la suceuse? Ouais, ça va et toi, man? Bah, ouais, super, hein! Ah, vous me faites rire, putain! Bah, ton pote, il veut pas me sucer, man! Hey, John... Bah, en même temps, vas-y, pourquoi tu veux le sucer aussi? John, tu vas me manquer, hein! Toi aussi, mon ref, man! Ah, putain! Faut que tu fasses mieux.